Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Mathéo Fun 237. Donc là, bon, on se repart pour un tout nouveau Wokfu. Un Wokfu qui va pas être très facile ni très dur. Hein. Donc voilà, donc salut, c'est Mathéo. Donc là, bon, bah, on se retrouve en coaltération avec Axel 92i. Donc voilà quoi, hein. Donc j'aurais été sûr qu'il voulait accepter de faire ce Wokfu avec moi. Et donc, le premier truc, c'est que je suis un joueur, hein, bah oui, hein. Mathéo est célibataire, hein, n'est-ce pas? Non, je suis pas célibataire, mais bon. Donc, alors, c'est l'adversaire, hein, c'est Pitch. Il faut faire quelque chose. Oh non, 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 c'est pas possible. Ils ont enlevé Peach à cause de ce truc de merde. Oh merde, il y a un petit toad qui met des cadeaux dans un petit canon de merde. Maman, j'ai peur. Vas-y, j'en ai marre. Waouh. Les toads sont des fous. Voilà, donc, eh bien, on va un petit peu parler du jeu, hein. Donc, voilà. C'est un petit bébé. Donc, donc, on va un petit peu parler du jeu, hein, tout petit peu, hein, bah oui, hein. Donc, c'est connu. Donc, comme vous avez vu, bah, c'est New Super Mario Bros. Wii, c'est comme sur DS, sauf que c'est sur Wii, hein, n'est-ce pas? Donc, on a plusieurs mondes, jusqu'à 8, et après il y en a 9. Donc, il y a une carte là, on peut avancer. Donc là, en fait, donc ça c'est une petite arène de combat avec Gomba. Il y aura plusieurs ennemis dans chaque niveau, dans chaque monde, pardon. Et puis, bah, en fait, ce sont des petits mini-jeux où on doit s'éclater à voir toutes les pièces de Toad. Et puis bon, bah, on gagne 3 champignons, je crois. Donc là, bah, c'est un canon, vous voyez, pour aller d'un monde à un autre. Bon, bah, ça c'est basique, quoi. Voici la tour, enfin le point du château, et le tout dernier, dans lequel est emprisonné Peach. Donc là, donc on va un petit peu parler du jeu. En fait, bah, cette maison que vous voyez bien avec des étoiles, c'est pour nous servir d'avoir une étoile. Ouais. Donc, et en fait, on a des objets. Non, pas là. On a en fait des objets, donc là vous avez vu, donc on a le super champignon, voilà, on est au gros zéro. Après on a la fleur de feu, hélico Mario, fleur de glace, petit pingouin, minuscule Mario, et enfin l'étoile. Donc ce qui fait que, bon bah c'est amusant quoi. Hein. Ah oui, et puis bah il y a aussi... C'est un système des pièces étoiles, il faut en récupérer un maximum, je vais vous montrer pourquoi d'ailleurs après. Voilà, donc c'est le nombre de joueurs, sauvegarde rapide et écran titre. Voilà. Donc voilà, donc tout d'abord je vais vous montrer un château. Ce château là, vous allez me dire, mais Mathéo, à quoi ça sert? Ça sert à rien, on dirait que ça sert pour la déco. Maintenant en fait, vous touchez ce petit bloc. Et en fait, bah, ça nous permet d'avoir de voir tous ces vidéos là. Bonus qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de points. Voilà. Donc d'autres servent à faire des super parties, d'autres servent à avoir des pièces étoiles, et d'autres one-up infini, et voilà quoi, etc. Donc là, on peut pas, car il faut payer soit 3, soit 2, soit 1, ou soit gratuitement même, ou soit 5, ou même 6, hein, car c'est sadique, Nintendo, je sais pas. Et en fait, bon, bah, la sortie est à gauche. Ça nous fait rappeler New Super Mario 64 DS. Ou ouais, 64 sur 64 normal, quoi. Et donc, voilà. Donc, oui. Je suis bien d'accord. Voilà, donc, bon, bah, là, eh bien, on découvrira d'autres choses en route et en chemin. Voilà, donc, on commence pour le premier niveau, comme d'habitude. Attention, c'est parti.
Ouais, donc je connais par cœur ce jeu-là, mais bon, il est assez long hein, ce jeu, hein, mais bon, si vous connaissez bien Nintendo, il est trop facile, hein. Voilà quoi, donc c'est comme des jeux basiques hein, de Mario, hein, Mario Bros. Donc voilà quoi, hein, donc il faut au fur et à mesure sauver Peach, tout ça, voilà quoi, on connaît. Mais bon, comme par hasard, donc voilà, donc il y a des tuyaux qui nous permet d'aller dans des passages secrets. Donc là, eh bien, en fait, là, c'est le checkpoint. Checkpoint scrolling, ça fait trop une. Voilà, donc on a le premier objet qu'on découvre, c'est Helico Mario. Donc ce qui nous permet de bouger la Wiimote comme ça, enfin de la faire foncer comme ça. Et puis bon, bah ça fait Helico Mario quoi. C'est ça qui est bien. Voilà quoi. Donc revenons à l'histoire de notre petit drapeau de pain là. Hein. Donc voilà quoi. Donc c'est ça. Ça nous permet de faire une petite pause de sauvegarde. Hein, donc voilà quoi. Donc imaginez, vous avez plein dans le caca d'être dans un niveau de merde. Qui est trop dur, et bien bah en même temps, bah bon, soyez pas obligé de recommencer depuis tout le début, quoi. Voilà quoi, donc je suis un petit peu bavard, mais en même temps, je vous explique un maximum de choses. Voilà. Donc, et bien là, bah vous voyez bien, hein, enfin, j'espère, quoi. Voilà. Donc, bah j'avais choisi de faire ce jeu-là parce que enfin, Monketo, Dazer, Janax, voilà quoi, il y en avait plein. Qui avait fait ce jeu-là, j'aimerais bien le faire aussi pour montrer de plus en plus de choses. Voilà. Donc, eh bien, bah, en fait, ce jeu c'est basique, hein, comme d'habitude. Hein, genre, à part qu'il y a des petits passages secrets comme ça, bon, ils sont piégés, hein, mais bon, il faut les trouver au fur et à mesure pour trouver un maximum de scores. Voilà quoi. Hein. Donc, j'espère que je parle un petit peu pas trop vite et j'espère aussi en même temps. Ah, tiens, voilà. Donc, c'est celui de glace. Donc, en fait, eh bien, on appuie sur la touche 1. Comme intérêt pour faire sortir les boules de feu quoi. Voilà. Et après bon bah, on les congèle quand on veut. Voilà donc où est-ce que j'en étais-je? Ah ouais bordel de merde, j'en étais ouais voilà donc j'en étais au truc histoire de passage secret là, mais bon il y a des fantômes catcheurs, il y a des bouts, tout ça, il y a Bowser à la fin, mais bon, le final boss, j'ai toujours pas fini. Et j'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi. Quand, mais alors? Voilà quoi. D'un point. En plus, le 4, c'est pas l'un de mes préférés, pas du tout, hein, vu qu'on est dans l'eau. Enfin, je vous dis rien. En fait, c'est pas trop différent du monde sur DS. Mais bon. Voilà quoi, c'est basique quoi, c'est comme tous les trucs quoi. Tous les jeux de Super Mario Bros quoi. Bon bah. Je veux pas dire qu'on meurt tout le temps, hein, mais bon. Voilà quoi. Donc là, eh bien, bah, en fait, on peut diriger avec un mode comme ça, donc on peut faire aussi un multijoueur, voilà, donc c'est quoi. Donc niveau terminé, donc on peut faire aussi avec plusieurs joueurs, donc multijoueur jusqu'à 1-4. Donc ça fait Mario, Luigi, Toad bleu et un Toad rouge, jaune pardon, et bleu. Voilà, donc il y a deux Toad, il y a un Luigi et il y a un Mario. Voilà, donc c'est bof à un, hein, comme dirait Moketo, mais bon. Voilà quoi, à plusieurs, ce qui est chouette, c'est que quand on fait un saut que je vais vous montrer, voilà, quand on fait un saut comme ça, mais à plusieurs, quand on fait une hélicoptère comme ça, mais à plusieurs, et eh bien on peut faire un gros terrible truc, un tremblement de terre quoi en fait, qui nous permet de récupérer des points, donc on peut récupérer le plus de points. Voilà, donc on passe. Voilà, donc il y a Yoshi. Voilà, donc c'est le meilleur de tous les amis, celui-là. Donc en fait, eh bien, on lui fait avaler ses petites pommes. On peut aussi avaler les ennemis pour les rejeter aussi, mais bon, on peut pas les rejeter aussi. On peut rejeter aussi des plantes piranha et aussi leurs fleurs, leur boule de feu, pardon, et pour les rejeter à quelqu'un d'autre. Voilà, et même à leur domicile, hein.
Oh bordel de merde. Là. Donc en fait. Voilà quoi. On leur fait plein de trucs. Mais merde alors. Yoshi, il est où mon Yoshi? Donc voilà quoi, on peut le tuer, mais bon. Ce serait vraiment dommage quoi. Il meurt jamais, lui, au moins. Ah oui, voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là, je crois. On peut prendre aussi d'autres Yoshi, mais bon, ça, c'est avec les règles de plusieurs, hein. Genre Mario, c'est vert, voilà. Quoi. Et plusieurs, bah, c'est d'autres couleurs, quoi. Genre bleu, jaune et vert. J'espère que vous entendez bien. Hein, parce que c'est contraire à ce que je veux. J'ai pas envie du tout de vous montrer le système des boules de feu. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai pas envie de mourir, voilà. J'espère que vous m'entendez assez bien. Car c'est vraiment pas le truc que je voudrais bien avoir. Qui dégage, voilà. Ça nous permet. On vient à Yoshi. Attends, déjà j'ai tout monté d'abord. Voilà, hein, graphiquement, hein, c'est comme dans tous les jeux Mario. Quoi. Tous les jeux Mario sont presque basiques. Voilà, donc j'ai réussi à le tuer, merde. Comme un con, voilà, oh merde. Je me suis tué moi aussi, moi-même. Quoi. Donc, voilà. On reviendra après les maisons, là. Mais bon, bah, ce qui est plus important que tout, bon, bah, c'est de finir le jeu, quoi. Ah, donc voilà, quoi. Merde, je tombe tout le temps le bouton, et en plus, j'ai zéro objet. On va en avoir plein en cours de route, mais c'est déjà pas gagné car bah on va voilà quoi. On pourra aussi avoir des canons one up pour avoir beaucoup de one up. Voilà quoi. Ouais, genre il n'y a même pas une chain point. Il n'y a même pas une chain point. Enfin, donc il y a un nouveau Yoshi. Tout nouveau Yoshi. Tout nouveau. Comme s'il était nouveau quoi. Donc toi déjà Yoshi, toi, eh bien tu m'écoutes. C'est pas le cas pour moi quoi. Donc à chaque fois qu'il se fera toucher par quelqu'un, eh bien il dégagera. Un petit peu système con, hein, mais bon, c'est pas moi encore qui a inventé Yoshi. Mais oui, il est mignon. Il est assez mignon. Yoshi, il est assez mignon. Hein. Demandez à Patrick, il est assez mignon. Hein. Voilà quoi. Ça c'est... Voilà quoi. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu graphiquement le petit truc. Et Yoshi, tu m'écoutes? Voilà quoi, donc il faut l'alimenter. Il faut l'alimenter plusieurs fois, quoi. Hein. C'est ça le truc qui est chiant. Putain, j'ai 0,9 8 quoi. J'espère que vous entendez assez puis bon, vous voyez assez quoi, parce que bon, encore bon bah j'ai pas trop envie, enfin je commence à avoir la flemme de de sortir ma caméra, ça sert à rien. Bah ouais, ça sert à rien. Donc je crois que bon bah on est un petit peu obligé quoi. De manger Yoshi. Voilà, donc le système des boules de feu en fait c'est comme ça, sauf que moi bon, bah, je me suis pas pris dans la gueule. Voilà, mais putain, mon Yoshi quoi, tout. Il est comme les Gomba en fait, hein. Il danse au fur et à mesure de cette danse, de cette chanson. En fait, bon, bah c'est la chanson qui nous reste tout le temps dans la tête, hein. Oh, Yoshi Story. Dans la Magic Story, enfin, si vous vous rappelez de la Magic Story, on en a pas fait pour les trois premiers épisodes. C'est quand que ce Yoshi va me lâcher un petit peu, quoi. Bon, il n'y a plus de feu, quoi. On continue sans Yoshi, quoi. Oh, c'est pas grave, hein. C'est... Le mec, genre... ça sert à rien. Voilà quoi. Voilà, donc on arrive enfin au tout premier château sur deux. C'est pas mal hein, quand même.
Ah oui, voilà, donc il y a un toad. Oh non, une autre. Avec. Oh non, une autre avec. Oh, je vais ordonner à mes larbins d'emprisonner tes amis toads dans les blocs. Point d'interrogation. Tu vas devoir te débrouiller tout seul pour les tous les sauver. Moi, ah. Signé Bowser Junior. On pourrait rajouter deux merdes aussi. Hein. Très inquiet pour toi, emmenez-le à la sortie. Ouais, parce qu'en fait, on peut avoir plein de corps, et puis bon, bah, soit on pourra avoir un one-up, ou voilà, donc il s'est capturé, soit, on pourra avoir trois up. Merde! Je suis con! Ou soit, on pourra avoir une cabane à one-up, et récupérer plein de one-up, ou soit, bon, bah, on peut gagner aussi deux autres cabanes, quoi. C'est-à-dire, soit celle-là ou soit celle-là. Donc voilà, donc enfin au château. Au tout dernier château. Oh. En fait, il rit comme une grand-mère, quoi. Oh merde. Je sais pas pourquoi, mais moi, bien, j'adore les musiques trop stylées. Des derniers grands châteaux, vous voyez. Je sais pas pourquoi, mais non, nous Super Mario Bros 2 aussi, il a l'air pas mal hein, sur 3DS hein, aussi. Bon, bah, il a l'air bien copié, hein, mais bon, en même temps, c'est Nintendo quoi, hein, donc ils ont le droit de tricher eux-mêmes quoi. C'est pas grave, c'est pas de leur faute quoi. Du moment où ils recopient pas sur PS3, enfin, si, justement, ils recopient sur PS3 parfois. Donc, comme j'avais dit à Patrick, on en a parlé, vu que lui, eh bien, il joue beaucoup à la PS3, et puis bon, bah, il n'aime pas quand on triche de Sony. Et eh bien, bah, en fait, eh bien, si vous avez remarqué bien, eh bien, en fait, on voit pas le X des boutons de la PS3, mais dans les boss, eh bien, on voit certains icônes, genre cône, triangle, vous voyez, quoi, rectangle, rond, tout ça. Et donc, voilà, quoi. C'est un petit peu triché, moi je trouve. Recopier comme eux. Mais bon, ça, il n'y a pas le X. Donc je crois pas qu'ils ont voulu recopier. Mais bon, en même temps, c'est quand même une folle invention, quoi. Enfin, moi je trouve. Oh, genre, dès qu'il me voit, eh bien, il a envie de sauter. Je t'ai fait pitié, mon chou? Putain. C'est mou et lent. Oh mais vas-y quoi, dépêche-toi, allez, on n'a pas toute la journée non plus. On va pas attendre ma mise à l'aime, comme dirait Inoketo. Ouf. Ouais, donc là je savais qu'il y avait un passage secret, mais bon, c'est ce que j'ai en même temps. Là bien, il faut attendre qu'on sorte d'ici quoi. Là, ouais, génial, un œuf, donc j'ai 10 vies. Voilà quoi, c'est génial. J'en ai 11 maintenant, c'est génial. Voilà quoi, donc j'avais décidé en fait, bon bah il fallait bien que quelqu'un commence, hein, mais bon, il fallait bien que quelqu'un commence mon coup, quoi. Hein. Et bien que quelqu'un commence le monde 1 quand même, hein, parce que bon. Bah, ça me fait tout chier quoi. Ce sera la grande honte totale si j'arrive pas à arriver sur ce boss là. Non mais vraiment, hein, franchement, hein. Bon, heureusement qu'il y a des blocs. Il y a des blocs à champignons quoi. Ah oui, donc les cercles de feu, on verra ça après, juste après. Je vais vous montrer après. Juste après. En fait, bon, bah, la grande nouvelle c'est que je ferai le monde 2. Voilà, donc je ferai le monde 2, le monde 5, 6 et 8 avec en coopération. Voilà quoi. Donc en fait, je ferai comme mon keto quoi. Sauf qu'il y a des options de monde quoi. Voilà quoi. C'est cela. Total alors. Trop stylé là. Comment il s'appelle lui déjà? C'est pas Iggy ou un truc comme ça? Non, non, c'est un autre Iggy.
Non, c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà quoi, donc j'ai pas eu du tout la honte totale. Heureusement d'ailleurs. Mais bon, je me servirai bientôt de la caméra. Quoi. Parce que bon, je crois que vous voyez pas trop et puis vous entendez pas trop surtout. Hein. Vous entendez pas trop le son du jeu quoi. Voilà. Oh merde, pardon, j'ai raté. Voilà, donc je vais vous montrer quand même dans le niveau 1 le système. Voilà quoi, donc en plus on va sauver un Toad quoi, donc c'est chouette. Donc en fait, eh bien, on doit porter Toad jusqu'à la fin d'arrivée quoi. Donc c'est ça qui est chiant quoi, les choux. Ah, c'est génial, on a enfin l'hélico Mario quoi. Vraiment ce super pouvoir, je sais pas, je me sens invincible avec ça, je me sens vraiment invincible. Tiens, on l'entend. Salut mon pote, tu vas comment? Tu veux que je te tue? Bah non, en fait, je te tuerai pas car j'ai besoin de toi. Oh merde, genre on peut même pas les attaquer quoi, le Toad il peut le faire et non pas moi. Là, on peut même pas se servir. Merde, je vais le tuer. J'ai pas du tout envie de le tuer. J'ai trop besoin de lui quoi, avec les cabanes. Merde, genre quoi. Pas s'en servir. Donc voilà quoi, donc comment dire, voilà quoi, donc vous avez dit qu'il faisait un up ou deux ou trois, voilà, donc et dès que quelque chose apparaît, voilà, comme champignon one up ou alors étoile, et bien ben il y a une cabane au choix quoi. Donc il dira merci de nous sauver et tout. C'est ça qui est sympa, vraiment sympa. Vraiment trop sympa. Oh yeah. Motherfucker. On va avoir des objets. Motherfucker. Motherfucker. Foco. Je suis un faucon. Il y en a un con qui est con quoi. Ouais déjà c'est quand même bien avec mes conneries. Tiens, ça tombe bien, ça. Je suis Nico. Bah voilà quoi. Oh merde, le Bowser finit. Ah bah c'est fini alors. Bon bah déjà c'est pas mal hein, alors. Voilà quoi, donc je vais vous montrer un tout petit peu le Sims. Le système des espèces de trucs, comment on dit, ouais, de cercle de flamme, voilà. Voilà, donc les pots, en fait, et bien on les transporte où on veut, et on les fait cogner quelque part, je sais pas où, et en fait, bon, là, ça va nous permettre de tout casser presque pour avoir un nombre de record. Ah oui, regardez bien ce que je vais faire. Regardez bien. Regardez bien, comme dirait je la mouche. Regardez, on peut avoir one up infini quoi. C'est ça que j'ai trouvé bien. Voilà, donc c'est ça en fait. Et bien en fait, voilà. Voilà, j'espère que vous avez suivi quoi. Hein. Non, enfin, franchement, là, je vais être plus clair.
voilà, j'ai 20 vies, et ben voilà, cassé, cassé, pété, tué. Voilà. En fait, je vais vous montrer quelque chose qui va vous plaire. Mais bon, bah, je vais être vraiment plus, franchement plus clair avec. Donc voilà, donc dès que vous voyez un cercle de flamme, eh bien vous le touchez, en fait, bien vous essayez de toucher, d'attraper les 8 pièces rouges et vous aurez soit disponibilité de super pouvoir, eh bien vous pourrez avoir soit un objet, soit un one-up. Voilà quoi. Donc c'est ça qui est bien. Ouais, donc je vais vous montrer quelque chose. Donc là, je parie que je vais avoir une vie, quoi. Parce que bon, quand on est très très grand comme ça, là, et eh bien on pourra avoir une vie, quoi. Voilà quoi, donc on les attrape tous. En fait, bon, bah à la fin, on pourra avoir soit un œuf, soit un one-up, soit un objet, quoi. Je sais, on s'ennuie à mourir, mais bon, quoi. En même temps, c'est le jeu, quoi. Vous voulez pas regarder les vidéos? Eh bien, je vous emmerde. Car c'est moi ma préférée, celle-là. Moi, j'adore ce jeu vidéo. Mais bon, ils ont mal programmé, je crois, hein, pour finalement ça. Tiens, j'ai 22 plus. Voilà, donc on va finir pour aujourd'hui. Donc je vous dis à plus et à la prochaine. Salut à tous les gens. Je vais vous montrer où est-ce qu'on va se trouver. On va se trouver ici. Voilà. Voilà, donc ce que je vous dis, c'est que je vous dis à plus et à la prochaine. Salut les gens.